à Montréal du Gers, à 40 km d'Auch, Jean Ladevez et son fils Alexandre dirigent une exploitation familiale. Sur leur petit domaine, ils cultivent 6 variétés de raisins et remettent en culture des cépages oubliés. Ce matin, ils replantent une vigne, un travail méthodique. C'est bon ? Oui. Alors, on est en train de tracer pour faire les marques pour pouvoir planter. Donc, on tire au droit. On termine celui-ci, mais après, on reprend en bas, on s'arrête, c'est trop compliqué. Jean est né au domaine, sur cette terre. Et quand il en parle, certains mots lui viennent en gascon. Ici, bon, c'était les prairies. Dans les zones où il y avait de la pierre. Alors, c'est un peu pays-rusqué, c'est plus lourd. Enfin, c'est un très bon terrain pour la vigne, qui est très riche en matière organique. Ma famille fait de l'armagnac, bon, depuis que l'alambic existe. Mon fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils de vigneron. D'ailleurs, je me souviens de mon grand-père, il ne parlait pas d'armagnac, il parlait d'eau de vie. Il y avait la clé du chai, c'était la clé du chai de l'eau de vie. Parce que bon, l'appellation armagnac est assez tardive, elle est venue du temps d'Armand Falière en 1909, qui était le président de la République, voisin d'ici à une dizaine de kilomètres. À l'époque, Armand Falière, dont les parents étaient viticulteurs, veut mettre de l'ordre dans la production de l'armagnac. Il définit précisément la zone d'appellation et sa division en 3 régions. Et Bas-Armagnac, ainsi que la Ténarèse, dans laquelle se trouve la propriété de Jean et Alexandre. Pour repiquer la vigne, il faut faire des centaines de trous à la main. Alors, Jean a appelé du renfort. Dominique et Alain sont des voisins, viticulteurs à Montréal, mais surtout des amis de longue date. Oh. Les gens nous appellent pour dire... Il a retrouvé des plants de Mosaic rosé, un cépage difficile à travailler, abandonné il y a 30 ans dans l'Armagnac. Pour se distinguer, il fait le pari de le réintroduire sur le domaine familial. C'est un cépage qu'on n'utilise pas du tout dans le coin, mais ça fait partie de l'encépagement armagnacais. Et comme notre politique, donc, c'est d'avoir un maximum de palettes aromatiques, donc, ça vaut le coup de l'essayer. Pour bien se démarquer donc, des autres, on est obligé de faire des choses différentes puisqu'on est une petite exploitation. Donc, on n'a pas peur de prendre des risques sur ce type-là, quoi, parce que, bon, on est engagé dans l'armagnac. Quoi. C'est comme le sacerdoce, c'est comme un curé, c'est pareil. Donc, il faut aller changer les choses. Anciennes vignes du domaine. Elles produisent des vins remarquables, mais leurs rendements sont très faibles. C'est pourquoi la plupart des viticulteurs choisissent de les remplacer. Alexandre, lui, prend soin de cet ancêtre de 60 ans qui produit des raisins exceptionnels. Alors là, je pralisse. Les raisins vont continuer à grossir, ils vont peser de plus en plus. Si on ne pralisse pas, ça va tomber. Donc on les enroule autour des fils de fer, sinon on va abîmer la vendange et ainsi que les rampes. Nous on ne traite pas le sol, déjà vous pouvez le remarquer, nous avons de l'herbe dans le sol. Ce qui veut dire qu'on a une diversité de flore et de faune. Il y a des prédateurs, des ravageurs, mais il y a un bon équilibre. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir utilisé des insecticides, bien sûr. Ça se Ça régule aussi la production. En conservant cette vieille vigne, Alexandre se démarque de beaucoup de ses collègues. Avant, la vie d'une vigne, c'était la vie d'un vigneron. Et actuellement, c'est plutôt 20 ans. Après 20 ans, il faut renouveler le vigneron. Parce qu'ici, elles ont 60 ans et je compte bien les garder encore.
Alexandre est aussi œnologue et réalise des armagnacs originaux à 10 km du domaine familial. Il est installé à Fourcèze, un village médiéval au bord de l'Auzou. Un castello très étonnant, avec ses habitations en cercle autour d'une place ronde et qui fut l'emplacement d'un château primitif. Il habite une de ces maisons à colombage de chêne qui borde la place, juste à deux pas de la tour de guet, classée monument historique. À côté de chez lui, les arcades du XVIIIe siècle ont été construites avec les pierres de taille de l'ancienne muraille d'enceinte du village. Dans sa boutique, Alexandre reçoit la visite de Chantal Armagnac, une œnologue spécialiste de l'eau de vie gasconne. C'est une vieille maison, mais en plein torchis. Voilà une particularité. Il y a quelques traces de compagnonnage sur les chevrons. Chantal est venue à la rencontre d'Alexandre, car le jeune œnologue crée des armagnacs sur mesure. Des assemblages originaux qu'il ne réalise qu'à la demande des initiés. À la manière d'un grand parfumeur, Alexandre cherche la base de sa composition. Alexandre propose à Chantal 6 arômes différents aux tonalités complémentaires. Sur leur cuisson, moi je veux dire, je vois quelque chose de minéral, mais. Oui, de la terre, je sais oui, pas. Oui, voilà, ça fait un peu de tourner. Tout à fait. Oui, oui. C'est la particularité de vous, c'est pas. Parmi toutes ces effluves, il faut maintenant faire des choix. Pas le chez l'air, alors. Ah, je trouve ça drôlement intéressant parce que je me dis, il faut aller. Je trouve ça drôlement intéressant ce minéral. Alors, tourner ouais. Peut-être. Donc, j'ai envie de marier plan de graisse et Baco. L'armagnac, c'est un assemblage de cépages, c'est un assemblage de différentes années. Et d'ordinaire, ce savoir-faire, c'est un petit peu dans le secret du chai, le maître de chai qui va créer ses propres assemblages. Là, le fait, ce qui est novateur, c'est que c'est en plein jour, c'est qu'on est là et c'est qu'on est soi-même acteur de cet assemblage. Moi, je me dis, c'est un petit peu rebelle, mais il y a toujours des mousquetaires rebelles en armagnac. Oui, pour moi, c'est la tradition avec un sang neuf. Alexandre, l'alchimiste, a assemblé les saveurs. Au creux de ses mains, il chauffe le mélange pour en extraire toutes les subtilités. C'est la Gascogne. Dedans, il y a nos champs de tournesol, mais il y a aussi nos sous-bois riches en champignons. Mais pour moi, j'ai du bonheur. Avant d'être mis en bouteille, les armagnacs vont passer plusieurs années en fût de chêne. Chez Jean et Alexandre, la distillation, c'est le moment le plus important de l'année. L'occasion d'une fête autour de l'alambic. Toute la vie de Jean tourne autour de ce lieu de mémoire. Mes parents, en 1936, se sont mariés dans le chai. Le repas s'est fait dans le chai, on a dansé dans le chai. Le chai, ici, c'est ma bibliothèque. C'est mes archives, puisque depuis 1976, depuis le départ de mon père, j'ai distillé chaque année, j'ai archivé chaque année. On en vend un peu, il faut vivre alors, on en vend un peu, mais on voudrait le garder, parce que c'est notre vie.
C'est un privilège hein, d'être là avec tous ces gens. Et puis aussi des gens de tout, on échange. Et c'est toujours un moment très riche autour de la lampe. Il y a toujours des choses extraordinaires qui se passent. Et puis des choses très vraies qui se disent. Ça, c'est important aussi. C'est notre Noël à nous. C'est l'aboutissement, la convivialité et l'amour des autres, le partage. On ne se connaît pas tous, mais je crois qu'on a, on a quelque chose en commun qui est la région, qui est le terroir, qui est le sol, qui est la vie, évidemment. C'est peut-être ça, la gastronomie.